je dirais le soir que j'ai reçu le courriel disant qu'on allait publier 24 heures de liberté, ça a été vraiment un moment mémorable. Autre que ça, ben, chaque fois que j'écris quelque chose, je le fais parce que ça me tente d'écrire. Je le fais pas parce qu'on paye ou parce que c'est une tâche de plus, je le fais vraiment parce que j'ai le goût de raconter quelque chose. Donc je dirais qu'il y a plusieurs beaux souvenirs d'écriture. J'étais vraiment surpris. C'est la journée même, je m'étais dit, oh, ben, si c'est fini, j'écris plus. J'avais des problèmes avec mon ordinateur, t'es mort plus ou moins. Puis je me suis dit, oh, ben, après plusieurs tentatives, j'avais écrit plein de manuscrits que j'envoyais à gauche et à droite, j'avais pas de réponse. Donc je me suis dit, j'arrête d'écrire. Puis par la suite, ben, quand j'ai vu ce courriel-là en soirée, je me suis dit, ok, ben, là, faut que je continue. Donc j'ai besoin d'un autre ordinateur, j'ai crié, j'ai ri, j'ai appelé mes parents, j'en revenais pas, j'étais vraiment excité. La rédaction comme telle a pris à peu près 3-4 mois. Toutefois, tout le processus d'édition, ça c'était pas mal plus long. J'en dirais d'essayer premièrement d'écrire puis de mettre vraiment toutes leurs idées qu'ils ont en tête. Puis ensuite, de retravailler petit à petit, de le relire. Puis j'en dirais d'être vraiment ouvert d'esprit, ouvert par rapport à ce qu'ils peuvent écrire, ouvert par rapport à la critique. Puis aussi de s'armer de patience. Si leur but, c'est peut-être d'être publié éventuellement, ça prend beaucoup de patience.